Hey yo tout le monde, c'est Keke Simebras. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'heure du dimanche. Son équipe Flambuzard, Walmer et Brazegali. Allez, c'est parti. Il envoie son Brazegali. Moi j'envoie mon Dracolos. Il switch directement sur son Walmer. Probablement pour des attaques glace. Il est que niveau 32. Son Walmer, j'étais vraiment étonné. Et derrière, j'utilise vitesse extrême pour finir son Walmer. Ce combat a duré vraiment longtemps. Je m'attendais pas du tout. Dès le début, je suis assez bon, j'ai défoncé son Walmer. Il envoie son Flambuzard Shiny. Il me fait feu follet pour me brûler. J'utilise Hydro-queue. Les restes qui permet de récupérer un peu de vie. Je suis brûlé. Il utilise Gonflette pour augmenter son attaque et sa défense. J'utilise Hydro-queue. Les restes qui lui permet de récupérer encore un petit peu de vie. Il utilise atterrissage. J'utilise encore Hydro-queue. Il voulait me finir avec la brûlure. Mais là, son Pokémon tank vraiment. Je switch parce que là, je pourrai jamais le battre. Et j'envoie mon Pharamp. Il reste les feux follets, évidemment. Utilisons de folie, parce que ça pouvait être embêtant tout de même. La brûlure commence à faire son effet. Il ne se blesse pas dans sa confusion malheureusement et me fait rapace. Ça fait des dégâts mais il en perd aussi un peu. J'utilise point éclair. Ça fait rien du tout vraiment. Attends, c'est quoi cette défense? En plus avec les restes et puis atterrissage, c'est un véritable monstre. Il est confus. Évidemment, il ne se blesse pas. Hein. Il va se soigner tranquillement. J'utilise Rayon Gemme pour voir si je fais un peu plus de dégâts. Encore les restes. Il envoie son Brazegali. Moi aussi je switch. Sans mon Mewtwo. J'augmente la pression. Et lui il méga évolue. Ça peut débloquer le combat. Il est niveau 36 son Pokémon donc. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment étonné. Je fais attends, c'est une blague. Il l'a envoyé au casse-pipe là. Il est mort. Il renvoie son Flambuzard qui là est vraiment niveau 50. J'utilise Tonnerre. On lui met que des attaques super efficaces mais lui derrière
J'évite son attaque feu follet, ça c'est super bien. Sauf que les restes le soignent un peu. Et là, il est plus rapide que moi, du coup, il va placer l'atterrissage. Je refais tonnerre. Et là, c'est plus super efficace. Donc, tu sais pas pourquoi. Tu vois, super efficace, et puis là, d'un coup, ben non, non, non. Il a refait l'atterrissage. Je sais pas ce que c'est son talent, ce. Un flan bizarre, c'est pas un Pokémon que je joue, ni même que j'apprécie. Puis là, bah, il s'est vraiment placé. Donc je décide de switcher sur mon Dracolos. Qui est toujours brûlé, évidemment. Il utilise Gonflec pour augmenter son attaque et sa défense. Ça devient un véritable monstre. Je souffre de la brûlure. Il refait gonflette. Pour être vraiment sûr de pouvoir me tuer. J'ai pas baissé les bras quand même. Et la dernière volonté de Dracolos, on va dire, assez utile, est de le paralyser. Les restes le place vraiment dans une bonne posture. Il fait rapace. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire quoi, quand t'es quasiment full vie que t'as le reste. Et que Dracolos ça peut beaucoup de PV. Le casque brut le fait quand même des petits dégâts en plus. En plus que le contre-coup. Donc ça c'est bien. Mais derrière les restes, il va permettre à Flambusard de se rattraper. Je vois mieux tout. La pression est encore augmentée, il utilise atterrissage pour vraiment être assuré, pour replacer son feu follet. Parce que c'est vrai qu'il est paralysé. J'utilise tonnerre. Ça lui fait rien. Donc là vraiment c'est un véritable monstre. J'utilise frappe psy pour voir un peu, parce que j'ai vu que tonnerre n'était plus super efficace. Et ça lui fait vraiment pas mal de dégâts, il utilise ce follet, donc là, mon Mewtwo va enfin s'offrir, hein, après tous les PP qu'il a délivrés sur ce Flambusard. Les restes qui vont le mettre vraiment mi-vie. Et là, le brûleur qui fait vraiment très mal. Je méga évolue, moi aussi, parce que après son Brasigeli, parce que là, ça pouvait plus durer, Flambusard, son règne avait trop duré là. Il utilise atterrissage. On a dit donc qu'il peut vraiment se placer très bien. Là, il est full vie. Je fais frappe psy. Un combat vraiment très long. À cause de ce flanc bizarre. Hein. Parce que je pense que ces deux Pokémon, c'était un peu pour. C'était juste pour vraiment mettre qu'un Pokémon au combat. Voilà, il finit mon Mewtwo avec une attaque rapace. C'est dommage. Il est blessé par le Conclutou et ça va être le dernier tour. Les restes le remettent dans une bonne posture. J'envoie Faramp, mon dernier Pokémon. Hein, voilà. Il utilise rapace. J'ai trouvé ça dommage de finir comme ça. Parce qu'il pouvait le faire dès le début au lieu de tanker. Et vraiment perdre vraiment un temps considérable. On aurait pu faire d'autres combats au coin combat. Combat au coin combat. Donc là, sa victoire est écrasante. Hein. Il a dominé le match. Même s'il gagne que 1-0 là. Il a dominé le match. Il a été nettement supérieur. À très bientôt pour de nouvelles vidéo sur l'heure du dimanche, salut tout le monde.